Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret collection Scooby-Doo Where Are You? The Complete Series en édition DVD comprenant les saisons 1 à 3 en dessin animé pour un total de 41 épisodes. C'est un coffret qui est distribué par Warner Bros. Scooby-Doo Where Are You? Est la toute première série des aventures de Scooby-Doo regroupant 4 adolescents, soit Fred, Daphné, Velma et Shaggy, ainsi que leur chien Scooby-Doo. La diffusion originale a débuté en 1969 pour 3 saisons. Le groupe d'adolescents enquête sur différentes affaires telles que des fantômes qui apparaissent, des monstres, des kidnappings, des vols d'objets précieux, dont personne n'arrive à expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Comme de raison, les héros restent terre à terre puis réussissent à déjouer les complots derrière les mystères et trouvent des explications à tous les événements. Cette série est toujours aussi excellente même après 40 ans. Puis je trouve que ça rend nostalgique tous ceux qui, comme moi, quand j'étais jeune dans les années 80, mais j'ai visionné cette série-là en rediffusion, bien sûr. Mais même encore ces temps-ci, je trouve que c'est nostalgique. Ça vient chercher comme quoi que c'est une belle série que j'ai adorée quand j'étais jeune. Mais inutile de vous dire que si vous avez des enfants, mais cette série est d'une grande qualité, puis je vous invite vraiment à leur faire découvrir. La preuve, c'est que 40 ans après sa première diffusion, mais on parle encore de Scooby-Doo, qui est encore d'actualité. Donc la preuve que la série originale était vraiment excellente. Les pistes sonores sont disponibles en anglais mono avec des sous-titres en anglais, français et espagnol sur les saisons 1 et 2, mais il n'y a aucun sous-titre disponible pour la saison 3. L'image est au format plein écran. Pour les suppléments, il y a Scooby-Doo's Ultimate Fans Featurette qui permet de voir la collection des plus grands fans de Scooby-Doo dans le monde. Il y a Get the Picture, How to Draw Scooby-Doo and the Gang qui est une featurette permettant d'apprendre comment dessiner les personnages. Il y a Funky Fashion qui s'attarde aux tenues vestimentaires des personnages. Il y a le clip musical American Loves Scooby-Doo. Il y a Scooby-Doo Street Smarts qui est un genre de vox pop dans la rue concernant l'univers de Scooby-Doo. Il y a Take the Scooby-Doo Challenge qui est un jeu questionnaire sur l'univers de Scooby-Doo. Il y a Scooby-Doo The World Loves You où les membres de la production parlent de ce qu'ils aiment de Scooby-Doo. Il y a The Eerie's Mystery of Scooby-Doo History qui donne un aperçu des débuts de la série avec des gens qui ont travaillé justement sur la série. Il y a The Scooby-Doo Gangs in Their Own Words qui est une featurette avec les personnes qui ont prêté leur voix au personnage. Et bien sûr, la particularité de ce coffret, c'est la forme en forme de fourgonnette, de Mystery Machine, qui lui donne vraiment un statut d'objet de collection. Moi, je l'ai placé sur mon étagère, puis ça n'a vraiment pas l'air d'un coffret, ça a vraiment l'air d'un jouet, donc c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup ça, la forme de ce coffret-là, puis il est solide également, donc c'est vraiment... vraiment une belle pièce de collection. Finalement, The Scooby-Doo Where Are You? The Complete Series est une excellente série que même si elle a maintenant plus de 40 ans, est toujours aussi intéressante à visionner puis à partager avec les plus jeunes qui n'ont jamais pu visionner la série originale. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.